Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance et je vais procéder à l'appel nominal de tous les conseillers. Donc, chaque fois que vous entendrez votre nom, vous répondez s'il vous plaît présent. Monsieur Jacques Grandchamp. Présent. Madame Dominique Giraud. Présent. Monsieur Bernard Viau. Présent. Madame Sylviane Degnaud. Présent. Monsieur James Walker. Présent. Madame Marie-Claude Girardeau. Présent. Monsieur Joël Bosson. Présent. Madame Christelle Godet. Présent. Monsieur Olivier Rozzoni. Présent. Madame Alexia Lorouillet. Monsieur Pascal Hénard-Machet. Présent. Madame Valérie Merle. Présent. Monsieur Robert Baratel. Présent. Madame Bernadette Grobel. Présent. Monsieur Julien Marc Ménet. Madame Karine Chauvin. Monsieur Gilles Tournier. Présent. Madame Marie Simon. Présent. Monsieur Georges Barthes. Présent. Madame Valérie Raffoz. Présent. Monsieur Éric Guédon. Présent. Madame Françoise Grobel. Présent. Monsieur Philippe Décurnage. Présent. Monsieur Xavier Deconche. Présent. Madame Elisabeth Gigolet. Présent. Monsieur Claude Sipal. Madame Brigitte Perrault. Alors, je n'ai pas entendu le retour. Oui, excuse-moi. Monsieur Richard Dutruel. Madame Sophie Morel est absente et procuration à. À Brigitte Perrault. Donc, je vais vous donner maintenant le résultat, les résultats constatés au procès-verbaux des élections du dimanche 15 mars. Donc, la liste unie pour Publier en Fion, 1138 voix. La liste Publier en Fion, Nouvel Horizon, 870 voix. Je déclare donc installer les membres présents et absents dans leur fonction de conseillers municipaux. Je m'autorise, j'en ai parlé avec Jacques Grandchamp, de vous prendre 30 secondes. De réflexion personnelle à l'issue de pour commencer cette cérémonie, je dirais cérémonie parce que c'est sympa. Donc je ne pouvais pas après 31 ans de présence journalière en mairie partir comme ça sans vous donner j'en ai parlé avec Jacques Grandchamp. Ce sera que des choses optimistes, mais j'avais envie de partager quelques messages avec vous. Seule la passion pendant 31 ans, la passion de l'intérêt commun et de l'amour de ma commune m'a guidé. Mais la première satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on puisse enfin installer le conseil municipal. Ça voudrait dire la première chose, et là il y a l'unanimité dans toute cette salle, c'est que le virus est en partie derrière nous, en partie. Restons toujours vigilants, mais la première victoire aujourd'hui qui fait l'unanimité, c'est de dire que ce virus est derrière nous, mais restons vigilants et comment ne pas envoyer un message au personnel soignant et tous ceux qui en ont bavé pendant toute cette période très très compliquée. 9 semaines, on a vécu 9 semaines de gestion administrative d'une collectivité, alors qu'une équipe était prête à appliquer sa marque politique. Je remercie Jacques Grandchamp, M. Walker, Bernard Viau était là, Mme Godet, et puis Elisabeth, Brigitte était là aussi, Xavier, pour ce comité de salut public qu'on a, suite à l'initiative de Jacques Grandchamp, mis en place, pour passer le relais entre
l'équipe sortante et puis la nouvelle équipe, et puis pour essayer au plus près de pallier à toute cette crise qu'on a traversée, qui nous a secoué nous, mais qui a causé tellement de dégâts sur la planète. Donc, première satisfaction, le virus est derrière nous. Je ne peux, 32 ans après, ne pas avoir une pensée pour Bernard Cobon. C'est peut-être un peu personnel ce que je vais vous dire pendant deux minutes, mais il est un grand bonhomme pour moi, Jacques l'a bien connu. Il m'a donné envie en 1988 de m'engager et à chaque mandat, il m'a dit « Allez mon petit, allez mon petit, allez mon petit ». Et j'ai un profond respect, même quelques années après, pour cette personne. Et de nous retrouver aujourd'hui à la Cité de l'eau, c'est aussi un symbole, parce que la Cité de l'eau, c'était Bernard Cobon. Et cette salle-là, quelques jours après avoir été mis en place, installé comme maire en juillet 2002, j'en discutais avec Grandchamp, la consigne de l'État avec le préfet Carenco de me dire « je te donne 6 mois pour construire cette salle ». Donc c'est un symbole de se retrouver aussi quelques années après dans cette salle. Je voudrais remercier tous les élus qui, pendant ces 30 ans, il y en a plusieurs, il y en a qui ont fait plusieurs mandats, je regarde Elisabeth, je regarde Brigitte. Merci d'avoir voyagé avec moi, parce que c'est pas pour prétention, mais c'est pas toujours agréable. Ma mère, de temps en temps, ça pique des colères. Catherine, j'ai vu Catherine du Hôtel-là. J'ai jamais parlé d'opposition, je disais les gens d'en face, des témoins, parce qu'on a le même objectif, même un peu de vision différente, mais de toute façon, on ne va pas inventer de choses exceptionnelles, c'est vivre ensemble pour notre commune. J'ai voyagé vraiment avec de belles personnes durant ces 30 années, et aussi avec de belles personnes au niveau du personnel. Je sais que derrière moi, Françoise, Fabienne, Elisabeth sont là depuis plus de 30 ans, je crois que c'est Mme Falco, David aussi. Je disais encore tout à l'heure à Jacques Grandchamp, on a un personnel fantastique. On a des vrais acteurs du service public qui ont une vraie mentalité. Je le disais à chaque fois, donc je leur dis encore merci aujourd'hui. Et quand, c'est bon, quelle que soit la passion qu'on a, soit pour un métier, soit pour un engagement politique, il y a des jours où on n'a pas trop envie d'y aller, le boulot, etc. J'ai jamais eu cette impression en mairie. Et quand j'ai quitté la mairie avant-hier, de voir des gens même en congé venir me saluer pour ne pas me laisser partir comme ça, je me dis, bon, on a semé des belles choses quand même pour avoir ce retour avec ce personnel qui a une droiture, une éthique. On parlait à l'époque, je pense qu'il était colonel, que tu as bien connu, qui m'avait dit, et ça c'est des choses que je mets dans ma hotte, l'éthique, c'est l'esthétisme de l'intérieur. Et ça, c'est une phrase ça fait partie de ces phrases que j'aime porter dans ma hotte. Voilà. Donc, je voudrais aussi, à vous tous et vous toutes, vous apporter tout mon respect, parce que dans les périodes préélectorales, quand Radio Bistro fonctionne, tout le monde dit ils n'ont pas fait, ils auraient dû. Et puis vous avez eu le courage, à un moment donné, de mettre votre nom sur une liste et de vous engager. Donc ça mérite le respect. Et vous allez être étonnés si je ne finis pas, là j'ai fini de ne pas faire référence à Saint-Exupéry. Et un de ses livres, Citadelle, dans un de ses livres, Citadelle, il dit « La pierre n'est que pierre, mais en composant, elle s'assemble et devient cathédrale. » Ce que je souhaite à l'équipe en place, c'est qu'après les équipes que j'ai connues de Charles Berchet, de Christian Bourdel, de Bernard Cobon, vous apportiez aussi votre pierre à cette belle cathédrale qui est publiée et qu'on puisse vivre et réussir encore mieux à publier demain. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis maintenant, conformément au filage, Madame Grandel, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes la doyenne, je vais vous laisser la parole et me retirer. Cette lourde tâche pendant quelques instants où je suis impressionnée d'abord et très
très honorée. Et je vais tenter de m'en montrer digne pour la suite du processus. Tout d'abord, je constate que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut délibérer valablement. Alors, pour rappel, l'article 1er de l'ordonnance numéro 2020-568 du 13 mai 2020, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, pour toute élection du maire et des adjoints, le conseil municipal peut délibérer valablement dès lors que le tiers de ses membres en exercice est présent. Alors ensuite, je vais vous demander, y a-t-il parmi vous des conseillers municipaux porteurs de procuration pour un candidat ou une candidature empêchée? Donc, il y a... Ensuite, nous allons maintenant procéder à l'élection du secrétaire de séance. Monsieur Éric Guédon, je crois, présente sa candidature. Donc, nous allons procéder au vote en demandant aux conseillers municipaux un vote à main levée sur cette candidature. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc, monsieur Éric Guédon est élu à l'unanimité secrétaire de la séance de ce conseil municipal. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Enfin, qui est candidat? Très bien. Alors, nous allons procéder concrètement à l'élection du maire à bulletin secret. Chacun d'entre vous dispose sur son sommet d'un stylo et d'un bulletin vierge sur lequel je vous invite à inscrire le nom du candidat déclaré pour lequel vous souhaitez voter. Monsieur Le Pall relèvera les copies. Monsieur Le Pall, directeur général des services. Il te l'a pris, je crois. D'accord.
vais procéder au, au comptage. Monsieur Grandchamp. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Attention. Attention. Monsieur Grandchamp. 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 Le dernier, Monsieur Grandchamp. Alors, on se rend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23. Désolée. 23. Voilà. Donc 23, bulletin pour Monsieur Grandchamp. Donc je vous déclare élu maire de Publié.
fois l'importance, la grandeur et sans doute les servitudes. Donc on va procéder sans plus attendre à la suite de la séquence avec donc, maintenant l'installation des adjoints. En application des articles L2122-1 à L2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 8 adjoints au maire au maximum. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. Vous avez sur votre table la liste des 8 adjoints que nous avons obtenus pour cette nouvelle équipe municipale. Je vous demande donc de prendre connaissance de cette liste avant de procéder au vote à main levée. Au préalablement, nous avons voté à main levée sur le nombre des adjoints. Pardon. Qui est pour les adjoints? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, nous retenons 8 adjoints. Merci. La liste des candidats, donc, est sur votre place. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La liste des adjoints dans l'ordre de 1 à 8 est indiquée sur la feuille jointe sous-main. Afin de faciliter les opérations de vote, je vous propose d'approuver cette liste à main levée. Est-ce que l'ensemble des conseillers est d'accord? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? Personne? Je vous remercie. Je proclame donc l'élection des 8 adjoints tels qu'ils figurent sur la liste que vous avez devant moi. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur cette liste que vous venez de voter. Ils prennent rang dans l'ordre de cette liste, tel qu'ils figurent sur la feuille de programmation, alternativement de droite à gauche ou maire. L'élection des adjoints étant à présent terminée, il me reste à vous lire la charte de l'élu. Et avant, décorer chacun des récipiendaires, évidemment, de leur nouvelle charte. Adjoint, M. James Walker. Ça va être plus facile à mettre sur le papier que sur soi-même. On n'a pas le droit de dire là. Christelle Connell. Bernard Viau. Dominique Giraud.
Pascal Hénard Rochet. Olivier Rozzoni. Cette fois, nous allons pouvoir passer à la lecture de la charte de l'élu local, qui est l'acte final de cette séance d'installation. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout autre intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. J'en ai terminé avec la charte de l'élu local, qui est un texte essentiel, fondateur, et qui rappelle les règles de base d'éthique et de déontologie qui peuvent animer toute responsabilité publique et politique dans ce pays. Je voudrais maintenant conclure par une petite intervention personnelle. Au terme de cette cérémonie qui nous engage dans une nouvelle mandature, et avant toute chose, je souhaite exprimer ma gratitude aux personnels communaux qui ont su répondre présent depuis le début de la crise du Covid-19 pour accueillir, rassurer, conseiller tous nos concitoyens. Je souhaite aussi les remercier pour la remarquable organisation de cette cérémonie qui, tout en respectant les règles strictes de sécurité sanitaire,
redonne vie à la démocratie. Je remercie également la population de notre commune pour le vote qu'elle a exprimé le 15 mars dernier, malgré la situation compliquée de notre pays, confrontée à la crise sanitaire que l'on connaît, et à l'occasion de laquelle elle a su faire preuve de rigueur durant la période de confinement. Je l'encourage évidemment à persévérer dans la solidarité, la responsabilité, alors que nous entamons notre troisième semaine de déconfinement. De notre effort collectif dépend la reprise durable de notre économie et de notre vie sociale. Je remercie bien sûr mes 29 colistiers qui se sont engagés dans une véritable aventure en décembre dernier et qui, en quelques semaines, ont su trouver leur place dans un groupe hétérogène mais très soudé, auprès duquel j'ai trouvé, durant toute notre campagne, beaucoup d'enthousiasme et de conviction. Un véritable esprit de conquête. J'ai une pensée toute spéciale pour les 6 colistiers qui aujourd'hui ne sont pas conseillers municipaux, en leur redisant que l'aventure n'est pas terminée et que leur engagement durant la campagne sera valorisé durant notre mandature, car notre esprit collectif demeure. Enfin, je remercie la nouvelle opposition pour son futur engagement sous une autre forme au service de notre commune. Je compte en effet sur une véritable coproduction de la part de nos 6 membres élus de la liste APS. Après ces premiers remerciements, je souhaite rendre hommage à un certain nombre d'élus locaux que j'ai connus, côtoyés durant ma carrière d'officier de gendarmerie, et qui tous, avec leurs qualités et quelquefois leurs défauts, ont su me donner une image saine d'une classe politique si souvent décriée dans notre pays. Chacun d'eux a une part dans mon choix de me présenter au suffrage des élections municipales. J'évoquerai donc Bernard Bosson, qui était un très grand ministre, humble, au service, à l'écoute et accessible. Jean-Claude Carle, sénateur. Marc Francina, un ami de toujours, bien avant d'entrer dans la vie politique. André Bouvet, maire de Nevers, décédé tragiquement. Et bien entendu, je joins ma voix à celle de Gaston Lacroix pour rendre hommage à Bernard Comon, qui demeure un emblématique maire de Publié et auquel je consacrerai mon premier acte de maire en allant à 14h30 me recueillir sous sa tombe au cimetière de Publié en présence de sa famille. Je ne rendrai pas hommage à Gaston Lacroix. Je ne lui rendrai pas hommage, car Dieu merci, il est toujours vivant. Je vais donc tout simplement le remercier le plus chaleureusement et le plus sincèrement possible en ce moment, que je sais difficile pour lui. Je remercie pour toutes ces années d'engagement au service de la communauté, avec tout ce que cela suppose, le sacrifice personnel au plan familial, de déception, de moments de doute, de désillusion, de découragement, mais aussi de belles joies et de satisfaction, et au final, 18 ans de mandature. En 18 ans, Publié a vécu une transformation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et cette commune est aujourd'hui au rendez-vous de nouvelles échéances considérables, car tout ce qui nous entoure s'accélère et se transforme. En ce moment que je suis donc chargé d'émotions pour vous, mon cher Gaston Lacroix, je vous exprime mes remerciements sincères, ceux de la nouvelle municipalité, ceux de l'ensemble des Publiérains et Anfionnais pour le travail réalisé qui vous permet aujourd'hui de passer le flambeau avec la satisfaction du devoir accompli. Je formule le vœu que de nouveaux projets personnels vous permettent de réaliser tout ce que vous avez dû mettre entre parenthèses durant ces 18 années passées au service de la commune. Merci Gaston. Être maire est une exigence de tous les instants. C'est avant tout une exigence de présence et de disponibilité, tant il est vrai que le maire demeure véritablement la référence politique pour tous nos concitoyens. Nous avons donc réfléchi collégialement à une organisation nouvelle de la relation des élus avec les administrés
et des élus avec le personnel de la fonction publique municipale. Cette nouvelle organisation sera présentée à l'ensemble des personnels municipaux dès lundi et mardi prochain. La situation que nous vivons est une situation exceptionnelle qui nécessite un traitement exceptionnel. C'est la raison pour laquelle nous avons à publier, imaginer un dispositif original de gérance de la commune dès le lendemain du premier tour, de façon à faire face du mieux possible aux exigences du moment et également à préparer une transition la plus harmonieuse possible. Je remercie une nouvelle fois Gaston Lacroix d'avoir validé cette initiative favorablement commentée et les trois membres de l'ancienne municipalité et désormais membres de la nouvelle municipalité au titre de l'opposition, d'avoir su privilégier l'intérêt commun à toute attitude politicienne déplacée. La situation actuelle est certes exceptionnelle, mais ses conséquences seront durables et sont difficilement identifiables à ce stade. Nous devons donc nous préparer à les assumer sur les prochaines années, ce qui signifie que les grandes orientations budgétaires à venir devront intégrer cette contrainte nouvelle et que nécessairement nous serons conduits à réévaluer un certain nombre de projets tout en gardant à l'esprit la mise en œuvre de notre programme de campagne que nos concitoyens ont approuvé par leur vote. Enfin, la situation actuelle a largement perturbé le fonctionnement normal des institutions. Nous devons donc dans les prochaines semaines tout faire pour être le plus rapidement possible en situation. C'est la raison pour laquelle j'annonce dès à présent la tenue de trois conseils municipaux au cours du mois de juin. Le premier lundi 8 juin 2020, pour l'approbation du nouveau règlement intérieur du conseil municipal, l'organisation des commissions et des délégations indispensables au fonctionnement de la commune. Et enfin, la présentation du débat d'orientation budgétaire. Le second lundi 22 juin, intégralement consacré à l'examen et au vote du budget 2020. Et enfin, le troisième vendredi, 26 juin 2020, pour examiner et valider toutes les délibérations urgentes que nous sommes en train d'identifier et de prioriser. La tâche est lourde, mais elle est assurément exaltante. C'est avec détermination que nous engageons aujourd'hui cette nouvelle mandature que j'ouvre administrativement en signant mon premier arrêté, arrêté qui ouvre l'accès aux activités sur le lac, conformément aux directives du préfet de Haute-Savoie. Tout un symbole pour notre commune, si intimement liée au lac Léman et au tourisme. Je vous remercie. Séance, cette première séance du nouveau conseil municipal.